Thank you.
Bonsoir. Bonsoir tout le monde, bonsoir. Je m'appelle Afolo Didi Nikefolosi. Je suis une jeune femme noire, je suis zambienne. J'habite à Genève et je viens du futur proche. Alors, dans le futur, vous, dans le nord global, vous allez résoudre tous les problèmes d'oppression des personnes minorisées. En Chine, comme vous le savez, ils les mettent dans des camps de travail où ils fabriquent nos téléphones et nos baskets. C'est vraiment des barbares. Dans le Nord, vous allez trouver comment s'occuper, je ne vais pas faire toute la liste, mais disons, des personnes minorisées comme les femmes, les noirs, les étrangers, les personnes âgées, les pauvres, les personnes handicapées, les personnes queer. Les Arabes, les Juifs, les Roms, les personnes indigènes, enfin toutes les personnes qui ont des problèmes juste parce qu'elles existent. Alors comment vous allez faire? En fait, vous allez organiser une énorme votation globale dans tous les pays du Nord, donc genre Amérique du Nord, Europe, Australie. Votation, s'il y a des amis français, c'est des référendums. Avec le slogan Make the North Great Again, du recyclage. Et à l'issue de ce référendum qui va fonctionner, la Silicon Valley va être invitée à faire la fusion-acquisition de ces pays du Nord et de trouver des solutions market-based pour tous les problèmes, dont celui de l'oppression des minorités. Et donc pour régler les oppressions des minorités, il suffira tout simplement de les interdire. Les minorités, pas les oppressions. Les minorités. Alors, comment ça marche? C'est très simple. Il y a, si vous voulez, un consortium de la tech comme ça, qui va faire un énorme crowdfunding dans sa propre crypto-monnaie pour permettre à toutes les personnes minorisées de s'acheter un corps d'homme blanc, chrétien, hétérosexuel, d'âge moyen, valide et en bonne santé, en fibre de barbare. Alors, vous voyez, c'est hyper bien fait, les détails, les points, les mots, vous pouvez toucher la texture. Je ne sais pas vite, s'il y a beaucoup de monde, vous pouvez toucher au passage. Voilà, c'est confondant de réalisme. Voilà, voilà. C'est pas obligatoire. Voilà, fibre de barbare. Alors bon, évidemment, nous les personnes minorisées, on a tout de suite dit oui. Il y a eu une loi incitative, je dirais, qui interdisait les corps minorisés sous peine d'emprisonnement. Mais c'était une loi incitative. On a tous et toutes dit oui, sauf quelques Roms, parce que les Roms sont un peu les rebelles, les légendaires de l'Europe. Vous les avez foutus dans des camps de rééducation. Ils sont beaucoup mieux que devant la Migros et dans le tram. De toute façon, vous détestez tous les Roms, j'ai remarqué. Évidemment, ce grand plan d'optimisation des minorités, le Minority Optimization Plan, le MOP, ça a créé, je sais pas s'ils ont fait exprès, ça a créé un énorme marché. Parce que, imaginez, il faut construire ces hommes blancs en fibre de barbare. Et comme seul le Seigneur peut créer des corps blancs de. Des corps d'hommes blancs hétérosexuels d'âge moyen, chrétien et, qu'est-ce que j'ai dit, valide et en bonne santé, sans modèle à partir de rien. Pour les modèles existants, il fallait trouver des modèles pour les hommes blancs. Attendez, je vais rattraper le fil. Donc si vous voulez, il y a les marques qui ont commencé à proposer, Nestlé par exemple. Nestlé c'est suisse, ils ont proposé un modèle George Clooney. Elon Musk, il a proposé un modèle Elon Musk. Il y a une association de vignerons qui a fait un modèle Gérard Depardieu, qui a cartonné, sans commentaire. Gérard Depardieu, un peu plus d'air. Mais bon, évidemment, vous doutez des corps de star avec les droits d'auteur. C'est super cher, donc c'est vraiment les produits de luxe, quoi, le corps blanc pour... minorité privilégiée, si je veux dire. Et puis dans la foulée, tous les hommes blancs, dont sans doute parmi vous, ont commencé à copyrighter leur corps pour devenir de nouveaux modèles à la mode, puis toucher les copyrights, quoi.
sauf Brice-Catrin. Parce que Brice-Catrin, il est contre les copyrights. Alors du coup, un corps d'homme blanc hétérosexuel, libre de droit, vous imaginez que toutes les marques, les grandes, les moyennes, les petites, se sont précipitées pour ouvrir des usines entières en Chine de Brice-Catrin en fibre de baobab. Et c'est vraiment devenu le modèle un peu courant, robuste, économique, avec un design un peu... Ok, quoi. Enfin, un peu, c'est la Twingo des corps en fibre de baobab. Voilà. Bon, nous, comme je disais, on adore les nouveaux corps, surtout nous, les afro-descendants, afro-descendantes, parce que maintenant, on peut enfin être des vrais européens, ça, c'est chouette. Il y a un petit truc, vous avez remarqué peut-être que je danse depuis tout à l'heure. En fait, c'est pour s'habituer aux nouveaux corps, aux nouvelles dimensions. Tu vois, les jointures, tout ça. Il faut beaucoup danser. Moi, j'étais plus petite et beaucoup plus souple, donc il faut s'habituer. Et puis, il y a les mises à jour, en plus, pour le modèle Brice-Catrin. Qui est un modèle qui a un petit défaut, il a une thrombose derrière l'œil vers 40 ans. Et du coup, ça se retrouve dans le modèle en baobab, malgré toutes les mises à jour des ingénieurs californiens. Enfin, c'est le Made in China Design de California. Et donc, à chaque mise à jour, je vais me retaper là. Comme ça, la danse, quoi. Mais bon, à part ce petit inconvénient, je vais pas vous mentir. Bon, en fait, ça ne concerne pas grand monde ce soir, mais vous le savez déjà, mais. Être un homme blanc, c'est vraiment le pied. Je vais vous donner quelques exemples. Par exemple, maintenant quand je parle, on m'écoute. Sans avoir rien changé à mon comportement, à mon discours, on dit maintenant de moi que je suis économe et laborieux. C'est un changement d'humeur, ça arrive. On ne me demande pas « t'as tes règles ?» Et si je freine un petit peu tard sur mon vélo, un feu rouge, personne me dit « t'as appris à faire du vélo en Afrique, macaque ?» Grosse ambiance. Un petit exemple un peu plus personnel. Bah maintenant, ça fait 15 ans que je suis un artiste de gauche à Genève, engagé dans l'art vivant. Et je peux gueuler comme un putois sur mes employés, mes assistants, la direction technique, tout le monde. On me dit rien, c'est juste « oui, il est sanguin, mais... » Il a tellement de talent. Alors, peut-être que vous avez déjà entendu ça. On rigole, puis j'en perds le fil. Donc je disais, c'est le pied d'être devenu un homme blanc. À propos de pied, vous allez me poser la question. La sexualité entre hommes blancs, chrétiens, hétérosexuels, d'âge moyen, valide en bonne santé. La sexualité, c'est un problème qui occupe beaucoup les hommes blancs, chrétiens, d'âge moyen en général. Eh bien, depuis qu'on a les marketplace solutions, c'est fini. Fini la sexualité. C'était pas rentable. Il n'y a pas de gain de productivité, donc on a arrêté avec ça. Petite anecdote à propos de sexualité. Vous savez peut-être que pour leur livre Human Sexual Response, Masters et Johnson ont interviewé entre 1956 et 1966 des centaines d'hommes blancs nord-américains. De couples blancs nord-américains hétérosexuels diplômés. Et à la toute fin du livre, vous pourrez vérifier si vous avez envie, il y a une petite section où ils demandent aux hommes de ces couples s'ils ont déjà eu une relation homosexuelle dans leur vie. Le pourcentage d'hommes blancs chrétiens américains qui répondent oui à cette question entre 1956 et 1966 est, quelqu'un vous devinez, 80. 100%, 100%, soit à l'armée, soit à l'université, dans le cadre du sport universitaire, les vestiaires, tout ça. Vous pouvez vérifier à la fin du livre, c'est ma partie préférée du livre. Je vous raconte ça simplement pour dire que voilà, même les hommes blancs chrétiens hétérosexuels évoluent. Donc c'est fini la sexualité, on perd plus de temps avec ça, pas de sexe. Votre homme blanc chrétien hétérosexuel. Valide et en bonne santé, je vous jure. Je crois que à ce niveau, vous avez compris un peu les lendemains qui chantent. Vous allez enfin réussir à créer une société idéale, harmonieuse, où les droits de l'homme sont enfin respectés.
Sauf si, évidemment, bon, parfois on a l'impression, mais j'insiste, ça n'est qu'une impression, que les hommes blancs chrétiens hétérosexuels d'âge moyen, valides et en bonne santé, originels, ont un peu meilleur accès à l'emploi, au logement, à un prêt bancaire, à la santé, à deux, trois autres trucs, que les hommes blancs anciens femmes, les hommes blancs anciens noirs, les hommes blancs anciens immigrés, les hommes blancs anciens pauvres, les hommes blancs anciens handicapés, les hommes blancs anciens queer, les hommes blancs anciens arabes, les hommes blancs anciens juifs, les hommes blancs anciens roms, les hommes blancs anciens personnes indigènes. En vrai, on ne sait pas parce qu'il n'y a pas de statistiques, donc c'est peut-être juste une impression. Puis c'est vrai qu'ils nous appellent les baobabs. Bon, c'est bon enfant. Moi, ça me fait rire en tout cas. Il y a aussi une espèce de grosse campagne de. Comment dire. Oula, j'ai plus le mot. Une grosse campagne de diffamation. Particulièrement ciblée sur les corps de Brice Catrin. Ils ont fait circuler des photos de Brice Catrin originelles dans les années 2020 en train de boire du Baileys en compagnie d'autres hommes. Pas l'hiver. Brice Catrin était un vrai mec hétérosexuel chrétien. Il s'est marié deux fois à l'église. Donc tu fais difficilement plus les chrétiens. Je crois que c'est à peu près tout ce que je voulais vous raconter. Bon, là, je vais finir la mise à jour parce que voilà, c'est les 5 derniers pourcents, là, il faut pousser un peu. Donc, je vais demander à Vaïd de me mettre un peu de musique. Si vous voulez, pour danser un peu plus fort, si vous voulez vous joindre à moi, n'hésitez pas. Après tout, c'est. Voilà, c'est positif aujourd'hui, c'est positif. N'hésitez pas à danser. Sunday is for resting.